L'infirmière désinfecte le chariot de soins avant son utilisation en frictionnant les trois surfaces ainsi que les montants. La disposition du matériel Vigigerme, du matériel pour l'antisepsie, pour l'insertion et la fixation, doit satisfaire les principes d'hygiène, d'asepsie et de sécurité. Le matériel propre ou stérile ne doit pas être à risque d'être contaminé et l'infirmière ne doit pas être à risque d'être blessée. Sur l'emballage du set d'insertion sont affichées 5 recommandations, l'hygiène des mains, le port de gants de soins, l'antisepsie cutanée, la fixation qui permet la visibilité du site d'insertion et la traçabilité du cathéter. Pour la perméabilité, l'infirmière ajoute un prolongateur équipé d'un robinet, un bouchon, une seringue de 10 ml, une aiguille, un mini plasco de 10 ml de NaCl et une étiquette pour l'identification. L'identité du patient est vérifiée, avant de commencer le soin, avec le bracelet d'identification. Le set d'insertion est structuré en 3 compartiments et contient 8 compresses et une pince, l'ensemble étant stérile et entièrement jetable. L'hygiène des mains est pratiquée avant la manipulation du matériel stérile. La répartition du matériel dans le set est organisée en fonction des actes de soins et de leur chronologie. Préparation ou mise à disposition d'une seringue de NaCl clairement identifiée et étiquetée en comprenant les items recommandés par l'institution. Quelle que soit la technique, la préparation doit être aseptique. L'hygiène des mains est pratiquée avant la préparation de la seringue et la purge du prolongateur. La désinfection du col du mini plasco de NaCl précède son ouverture. La seringue remplie est connectée aseptiquement au prolongateur avec une compresse imbibée d'antiseptique, puis le prolongateur est purgé. La seringue est identifiée avec une étiquette comprenant les items recommandés par l'institution. La seringue et le prolongateur sont déposés dans le compartiment avant droit du set. À partir de ce moment, le compartiment avant droit n'est plus une surface stérile, la seringue et le prolongateur ayant été manipulés avec les doigts de l'infirmière. Pour son confort, l'infirmière adapte la hauteur du lit à sa taille et vérifie la luminosité au niveau du site d'insertion. «
L'hygiène des mains n'est pas pratiquée avant de toucher la patiente, puisque les mains de l'infirmière n'ont pas quitté la zone patient. La patiente est confortablement installée, un coussin de position peut être placé sous le membre pour améliorer la visibilité du site. Après avoir vérifié la propreté de la peau, la veine est repérée. Les veines des membres supérieurs, du dos de la main puis de l'avant-bras sont privilégiées en évitant les plis et les articulations. Le garrot peut être serré sur la chemise pour éviter des lésions sur une peau fragilisée. Une antalgie doit être envisagée si aucun antalgique n'est administré à la patiente. À ce stade, on applique une crème anesthésiante sur le site repéré une heure avant l'insertion du cathéter. L'antisepsie est réalisée par trois applications successives d'antiseptiques du centre vers la périphérie. Après la dernière application, on laisse sécher la peau. La taille du cathéter est déterminée après le repérage de la veine. Le garrot est serré sans toucher la zone qui a été désinfectée. L'hygiène des mains est pratiquée immédiatement avant de mettre les gants et immédiatement avant l'insertion du cathéter. Le cathéter est introduit avec son mandrin, avec un angle d'introduction de 20 à 30 degrés, jusqu'à l'apparition de reflux sanguin. Puis le cathéter est coulissé sur le mandrin, jusqu'à la garde du cathéter. Le garrot est desserré pour éviter tout retrait accidentel. L'infirmière fixe le cathéter avec les bandelettes adhésives et le pansement semi-transparent qui doit laisser visible le site d'insertion. Le mandrin est retiré, le prolongateur est connecté aseptiquement et la perméabilité du cathéter peut être vérifiée par la présence d'un reflux de sang. La chronologie des gestes de fixation et de vérification de la perméabilité peut varier et est définie en fonction de la situation de soins. La surveillance d'apparition de signes cliniques, douleur, chaleur, rougeur, tuméfaction, extravasation, écoulement, vénite, est à effectuer pendant toute la durée du maintien du cathéter afin d'appliquer les mesures correctrices nécessaires. En présence d'un de ces signes, le retrait du cathéter doit être envisagé. Le cathéter doit être retiré le plus précocement possible en privilégiant les thérapeutiques orales. Le retrait des gants est effectué sans risque de contamination avec les mains.
et enchaîné avec l'hygiène des mains. Le lit est positionné pour éviter tout risque de chute pour le patient. Après le rangement du matériel, l'infirmière pratiquera l'hygiène des mains. L'insertion du cathéter veineux périphérique ainsi que la présence de signes de complications détectés lors de la surveillance clinique sont documentés dans le dossier de la patiente.